Alors, je suis en Russie actuellement. C'était pour faire deux concerts avec l'Orchestre des Jeunes de Russie. Et c'est sous la direction d'Alexandre Lazarev. Et c'est le premier concert depuis 4 mois avec public. Donc, c'est assez incroyable. Et c'est un peu court. J'ai pas trop envie de rentrer immédiatement, mais ouais, franchement, c'est génial. Il y a des hauts, des bas, il y a beaucoup d'extrêmes. Au début, j'avais vu ça plutôt comme quelque chose d'en profiter pour reprendre un peu de souffle, parce qu'après le concours, il y a eu une période de 1 an où j'ai pas arrêté de jouer tout le temps. Et donc, de trouver le temps de monter des nouvelles pièces en même temps que de faire des concerts, c'était beaucoup. Et donc, je me suis dit, bon, bah, j'en profite, je me repose, je prends le temps de travailler un nouveau répertoire. Et après, bon, ça a duré un peu plus longtemps que prévu. Donc ensuite, je sais qu'octobre, novembre, ça commence vraiment à être dur parce qu'on a l'impression de plus savoir trop pourquoi on fait ça. Parce que s'il n'y a pas un public qui nous porte, ça va dans les deux sens en fait avec l'art. Donc, ouais, assez perturbant. Et puis bon, quand même, on se débrouille pour arriver à trouver quand même des concerts, à quand même faire des captations, des enregistrements, histoire de garder une sorte de vie active musicale. Et donc, ouais, une sorte de haut et des bas. Ah, c'est un public extrême. C'est un public qui, quand il adore, il adore. On l'a vu ce soir, après une symphonie d'1 heure et demie, ils étaient encore debout à vouloir un bis, quoi. C'est dingue à quel point ils peuvent avoir une réaction forte, en fait. Et on sent qu'ils ont envie de vivre un moment. En fait, ils ont envie de vivre quelque chose d'historique et de le garder en eux. Et donc, pour eux, l'occasion d'aller à un concert, on a l'impression qu'ils sont derrière nous, en train de nous pousser, plus à dire, allez, tu peux donner encore plus, quoi, pour nous. Et donc, ça, c'est spécial. Pour le choix de l'instrument, je dirais que c'est venu d'abord par plus volonté de ne pas vouloir faire du violon, comme mes parents. Parce que mes deux parents sont violonistes et j'ai essayé le violon. Et à l'époque, j'étais plutôt flemmard, j'avais pas mal de facilité, mais j'étais vraiment. Je voulais que ça aille vite et je voulais pas prendre le temps de travailler. Et le violon a commencé, c'est quand même. ça peut être un peu dur. Alors qu'il y avait un piano à la maison et bon, il y a un avantage certain de. Immédiatement, on a des touches, elles me font un son qui, naturellement, est plutôt agréable à l'oreille. Et donc, c'était au début le parfait instrument juste pour taper dessus, pour jouer un peu. Et puis après, j'aimais bien le jeu de lire de la musique et comprendre le lien entre lire et tout de suite reproduire. Au début, vraiment, c'était plus ludique qu'autre chose. Ça a mis beaucoup de temps avant que j'aie envie d'en faire mon métier. Mais ouais, je ne regrette pas parce que je sais qu'à partir du moment où c'est venu. L'envie, elle est venue de moi. À ce moment-là, je n'ai pu me donner à fond. En compositeur, bon, bah, on a quand même un luxe énorme de retenir 400 ans de musique, mais je dirais Brahms, j'ai un attachement assez particulier parce que depuis très tôt, j'écoute sa musique, que sa musique a touché toutes nos possibilités, c'est-à-dire la musique de chambre, la symphonie, le récital pour piano, le concerto. Il a vraiment brassé beaucoup de genres et il a à chaque fois son perfectionnisme fait qu'on a que des chefs-d'œuvre un peu de lui. Et j'aime bien l'équilibre entre gros intellect. On peut vraiment l'analyser pendant des heures des partitions et en même temps énormément d'émotions, mais avec dignité. Il y a vraiment un beau bel équilibre, surtout dans l'histoire de la musique. Et donc, ouais, ça me plaît énormément de jouer sa musique. Et puis, bon, après, il y en a plein d'autres. Là, en ce moment, justement, j'écoute beaucoup de Shostakovich, on en a eu ce soir. Et j'ai un peu l'impression que c'est à terme le vrai génie du XXe siècle en composition. Et puis oui, en pianiste, en musicien que j'admire, il y en a énormément. Que ce soit d'anciennes, des gens comme Sofronitsky, des gens comme Horowitz, des gens comme Oistrakh, Furtwängler. Et puis aujourd'hui, oui, il y a des gens comme Volodos, Mihaly Pletnev. Ce sont des gens qui ont chacun su vraiment prendre le rôle d'un interprète, c'est-à-dire. Interprète, il y a une vraie responsabilité derrière qui est pas seulement de traduire la musique mais d'en tirer absolument toute une substance et toute une saveur et de rendre cette musique toujours vivante.
Oui, ah oui, dans les professeurs, il y en a énormément. J'ai eu beaucoup de chance de les avoir au bon moment, je pense, de ma vie. Réna particulièrement, je l'ai rencontrée avant de préparer ce concours et elle a vraiment su un peu ouvrir l'éventail de possibles à cette manière de rendre à la fois un côté presque coach sportif, c'est-à-dire de responsabiliser par rapport à notre travail, c'est-à-dire de se rendre compte à quel point en fait on doit aller loin, à quel point on ne doit pas laisser passer des choses, à quel point on doit avoir une vraie conscience des notes, du son qui dure, de plein de choses que j'avais pas vraiment encore dans l'idée, et en même temps avec beaucoup de spiritualisme, beaucoup de mysticisme, avec ces idées très symboliques dans la façon dont elle choisit d'interpréter. Elle imagine que tout est relié à Bach et que chaque thème a une signification et donc elle crée des mondes imaginaires. Il y a un beau mélange et donc j'ai appris énormément. Je continue d'ailleurs toujours à la voir. Et puis oui, j'ai eu d'autres profs aussi au moment. J'ai eu Franck Bralé au moment où j'ai vraiment commencé à vouloir faire de la musique. C'était mon professeur au Conservatoire de Paris. Qui lui est allé très bien avec une sorte de début de manger la musique de partout, de la culture. Il y avait pas que juste du piano, il y avait de la musique de chambre, il y avait l'écriture, il y avait fait déchiffrer plein de choses avec des amis. Donc c'était une période très effervescente. Et il arrive au bon moment parce qu'il a une vision très orchestrale, pas trop technique dans le piano. Il prend beaucoup de recul sur l'instrument. Donc, non, j'ai ouais, beaucoup beaucoup de chance là-dessus. Assez juste objectivement, oui, ça ouvre un concours comme ça. Ça a ouvert une sorte de clé à plein de salles, plein de rencontres nouvelles, ça met un gros coup de projecteur et donc c'est un boost énorme. Et donc ça m'a permis voilà, de profiter du fait que ce prix soit actif que pour rencontrer voilà, des gens que j'admirais depuis longtemps et puis voilà, de pouvoir vraiment aller dans des salles, avoir des beaux pianos, c'est un gros luxe ce concours. Et en même temps, oui, ça a forcé aussi beaucoup de changements, c'est un peu sur le plan personnel, sur le plan un peu psychologique, parce qu'il y a l'aspect l'impression de porter une sorte de tradition, une histoire un peu, et donc ça peut être lourd, ça peut être surtout au début quand j'étais pas encore très prêt. Aussi une sorte d'avoir un vrai bagage, une vraie armure, un côté vraiment professionnel dans le sens de maîtriser, de connaître son corps, d'arriver à donner tout, tout en n'étant pas détruit à la fin du concert. Donc ouais, ça demandait beaucoup de nouvelles organisations, de manière de s'habituer à ce rythme. Mais voilà, j'en profite pleinement en ce moment parce que c'est maintenant que juste après le concours qu'on peut tirer tous les fruits de ce qui s'est passé. C'est très bizarre, j'ai un petit côté quand même blackout dans le sens très peu de vraie conscience de ce qui se passe. Et c'est comme si c'est des zones lointaines un peu dans le cerveau qui sont très actives, mais qu'on est un peu déconnecté de ce qui se passe. Et en même temps, j'ai l'impression, ouais, je sens beaucoup plus mon corps, je sens beaucoup plus le cœur qui bat, je sens beaucoup plus de sensations ouais, purement corporelles. Donc c'est très dur parce que, ouais, à la fin, j'ai rarement un vrai souvenir précis de à quoi je pensais. Après, ça dépend. Il y a des concerts où on est plus dedans, il y a des concerts où, au contraire, on sent qu'il faut garder un peu de distance, il faut être plus analytique et concentré. Il y en a où on sent qu'on doit se lâcher pour tirer tout ce qu'on a. Donc, ouais, ça dépend. Vraiment. Il y a des répertoires qui me passionnent. J'ai une idée un peu de trilogie de disques autour des trois premières sonates de Brahms. Il les a écrites toutes très jeunes, elles ont toutes des particularités différentes et je voulais faire un programme autour de chacune de ces sonates. Et puis oui, en fait, simplement, je me dis que surtout en ce moment, on a un peu quand même une grosse part de responsabilité, en fait, que j'avais pas l'impression, parce que je profitais du fait d'avoir des concerts, d'avoir le plaisir, en fait, qui est pour nous de jouer. Et j'ai l'impression qu'en fait, aujourd'hui, on doit quand même vraiment se battre, en fait, d'une certaine manière. On est d'une manière ambassadeur aussi un peu de la musique et la façon dont on transmet nos actions, en fait, elles auront un réel impact sur le futur de la musique. Donc, ouais, je réfléchis beaucoup à l'idée de
festival, l'idée de faire une, d'ouvrir une sorte de résidence, résidence musicale, une sorte de truc où tout le monde pourrait venir se retrouver à faire de la musique. Moi, je me dis aussi que pour les jeunes, surtout en France, on a cruellement besoin d'occasions en fait, de se produire. Parce que c'est un circuit très fermé, les grosses salles, et je pense qu'il y a une grande partie qui s'apprend que sur scène, et qui s'apprend qu'en jouant avec des gens qui sont inspirants, et qu'en jouant avec des orchestres, et tout ça, il faudrait qu'on ait beaucoup plus accès à ça quand on est jeune. Le fameux mot en ré, bah, je dirais Nepunyema, parce que c'est le mot que j'ai le plus utilisé, en fait, j'ai l'impression ces derniers temps, pour dire « je comprends pas ». Ouais, c'est ça. Donc, à part ça, bah ouais, Kagdila, Spasiba, juste des petits mots courts. Et les phrases viendront la prochaine fois, alors.